YouTube. Troisième épisode de Mario Kart 64, c'est très compliqué à le dire, je bégaye à chaque fois. Du coup, Star Cup, c'est parti pour l'épisode 3. Let's go, en 50, c'est sympa, c'est bon, on s'amuse un peu. Les maps ont l'air banger. Il y a du nouveau tout, ça fait plaisir. Ok, c'est sur celle-là, la première map d'Herbie, là. Tu peux contrôler ton drift, j'avais pas capté ça. Ah, il te montre le temps qu'il reste pour finir le... Ah, je viens de comprendre comment marche la tige de la map. On se rapproche... Oh, c'est pas mal le petit écran. Pas forcément un full instant, mais c'est cool. Une duplication d'écran. Quelques millisecondes d'attente, mais pas de latence, en fait. C'est une innovation, c'est trop cool ça. Okay. Du coup, quand on arrive à la fin, c'est ça, c'est stable. On revient, ouais, ok, j'ai compris. Mais je sais pas, ça va reprendre dès qu'on passe. Non, pas. Ok, papa. Les attaches sont cool. Ça permet de choisir que c'est cool, tu vois. En fait, j'arrête d'appuyer sur le A chaque fois, je change cette touche. Parce qu'à force, le A c'est chiant, genre, c'est pas comme sur la gâchette c'est plus agréable. Juste on voit appuyer dessus aussi. Map linéaire de ouf. Celle-là c'est encore pire que l'autre. Putain, j'ai des champignons, je leur mets même pas une vitesse. Why? Quel circuit de voirie, j'ai même pas fait gaffe. Effet de lampe, lumière. Franchement c'est cool hein. De voir l'évolution des jeux comme ça, c'est cool. On pourrait dire que j'ai fait tous les premiers. Littéralement, j'ai fait le premier, je suis en train de faire le deuxième. Il en manque un, le 2001 là, le Super Mario. Putain, je prends aucun spell depuis tout à l'heure. Tu vois pas les autres joueurs.
Ah, je crois que c'est un pré-enregistré, j'ai capté comment ils ont fait, comment ça fonctionne. Ah, ils ont fait un pré-enregistré du truc, c'est pas le gameplay en direct même. Pour ça... Ah, même si tu prends pas de trucs, ça te prend quand même tes spells. Courir le bordel. J'ai pas changé le truc. Pas changé. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que c'est mon chat? Ok. Voilà. C'est parfait. T'ennuies. Ok, ok. Je termine ce coup-là, il faut que j'aille. Oh, première map. Nouvelle map. Je crois que dans le Mario Kart 7 DS, ça. Hein. Attends pour se relever, frérot. Mon frère, niqué, mec. C'est terrible. Ah, mais c'est juste, j'aime que. 20 ans pour se retrouver, frère, c'est aberrant. Ouais. Ok.
encore c'est pas plus pire que le premier, hein. Parce que le premier frérot, tu tombes, waouh. 5 secondes. Hein. L'effet de vitesse est dégueulasse. Mais frérot, mais il glisse comme une grosse putain. Du jeu, il est hardcore. Faire des drifts là, hein. Non, sur le bouton ça arrête d'accélérer à chaque fois. Prochaine course je le change. Mais je suis premier, je cherchais Wario. Pas Mario, mais... Mais ce virage, il est atroce. Ok. Prochaine course. Ok, voilà, avec la cachette c'est mieux, putain.
Oh, Browser Castle. Ouais, je te suis. Putain. Quelle mort va durer 3 minutes. Mais vas-y, mais nique ta mère, frère, c'est bon. Les couilles, gros. Putain, Jerry, il se lit contre toi à chaque fois, c'est terrible, genre. Putain. Ça, c'est horrible quand ça t'arrive. Tant de démarches, il a, il cale quoi, il cale et redémarre, c'est pareil. Mais c'est impossible à éviter. Je le jure que c'est impossible à éviter. Tu peux pas les éviter ceux-là. Que ton focus c'est mort. Je commence à en avoir marre de jouer, je pense, honnêtement. Cette mécanique du contact. Les tortues qui passent sur le teco. Ah ouais, non, les mécaniques comme ça, ça me casse les couilles, genre. Ça, ce qui est relou, c'est que tu peux pas skip. Thank you, my man. Ok. Du coup, il reste. Là, je crois que je vais regarder. Je crois qu'il en reste une. Après Luigi. Yes, il en reste une. Ok, YouTube, c'était le troisième épisode. Celle-là, ça a été. Mais bon, il y a des mécaniques qui sont éclatées quand tu tombes. Quand tu tombes par exemple et qu'il te remet sur la route et dès que tu accélères, instant, bah en fait ça te fait patiner, ça c'est éclaté comme mécanique. Mais sinon en soi, toutes les maps sont bonnes en fait dans le jeu. Tout est bon. Tout est bon. Après, t'as toujours deux bots qui te suivent constamment, ils sont collés à toi, donc tu fais la moindre erreur, tu peux pas gagner. Donc j'imagine même pas en 150, ça doit être horrible, genre. Mais du coup voilà, quoi, on se retrouvera dans le dernier épisode, la quatrième map.